Le soda yoda est le meilleur soda de toute la galaxie. Toute personne qui en boit se lèche les babines en disant ⁇ Hum, mmm, un régal, c'est vraiment ⁇ Tu organises ta fête d'anniversaire et tu sais qu'il faut 5 litres de soda yoda pour 12 invités. Donc si tu as 12 invités, pour les satisfaire, il faut 5 litres de soda yoda. Si tu invites 36 personnes en tout, combien de litres de soda yoda dois-tu prévoir Alors ici, on nous donne le ratio hein, de litres de soda pour 12 invités. Il faut 5 litres pour 12 invités. Ça, c'est le ratio, donc 5 pour 12. Ça donne la quantité de litres de soda pour 12 invités. Alors maintenant, ce qu'on a, c'est pas 12 invités, mais 36. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est combien de litres de soda yoda il faut prévoir pour la fête. Alors, je vais reprendre ici le rapport qui nous était donné. Il faut 5 litres de soda yoda pour 12 personnes. Mais ici, notre situation, c'est qu'on n'a pas 12 invités, mais 36 invités. Alors ici, tu peux remarquer que le nombre d'invités a été multiplié par 3. Hein. 12 fois 3, ça fait 36. Donc pour satisfaire tous ces invités, en restant dans le même ratio, il faut multiplier le nombre de sodas par 3 aussi. Hein. Donc je vais multiplier 5 litres de soda par 3, et donc j'obtiens 15 litres de soda. Et là, j'obtiens ce rapport là, ce ratio là, 15 pour 36, c'est exactement le même ratio que celui-là, 5 pour 12. Si j'ai 5 litres de soda pour 12 invités, eh bien, il faudra que j'ai 15 litres de soda pour 36 invités. Voilà. Alors, on va en faire un autre. On va faire celui-là, compléter les phrases à l'aide de l'illustration. Donc, on a un aquarium ici, dedans, il y a des gros poissons rouges et des petits poissons violets on nous dit qu'il y a 8 gros poissons pour un certain nombre de petits poissons. Alors, je vais le compter tout simplement. Hein. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gros poissons. Et puis le, la quantité de petits poissons, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc finalement, il y a 8 gros poissons pour 10 petits poissons. Donc le rapport ici, le ratio, c'est 8 gros poissons pour 10. Petits poissons. Alors maintenant, s'il y a seulement 4 gros poissons, c'est le cas ici, il hein, n'y a que 4 gros poissons, et je garde la même proportion, le même ratio. Donc ici je suis dans la situation où il y a quatre gros poissons et je garde le même ratio, hein, c'est-à-dire que j'ai 8 gros poissons pour 10 petits poissons. Ici le nombre de gros poissons a été divisé par 2. Donc pour garder le même ratio, il faut que je divise le nombre de petits poissons par deux aussi. Hein. 10 divisé par 2, et ça, ça fait 5. Donc finalement, ici, le ratio, c'est 4 gros poissons pour 5 petits poissons. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Il y a 4 gros poissons pour 5 petits poissons. Allez, on en fait encore un. On va faire celui-ci. Voici les ingrédients de ma recette de glace préférée. Pour un cornet, il me faut 2 boules de glace à la vanille, 4 cuillères à soupe de pépites de chocolat, et 2 cuillères à café de crème chantilly. Combien de cornets puis-je faire avec 32 cuillères à soupe de pépites de chocolat Alors je vais réexaminer les rapports qui sont donnés ici, les ratios. Pour un cornet, il me faut 2 boules de glace. Pour les pépites de chocolat, pour un cornet, il me faut 4 cuillères à soupe de pépites de chocolat. Et puis, pour un cornet, il me faut 2 cuillères à café de crème chantilly. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les pépites de chocolat, donc c'est ce ratio-là. Pour un cornet, il faut 4 cuillères à soupe de pépites de chocolat. Alors, je vais l'écrire ici. Pour un cornet, il faut 4 cuillères à soupe de pépites de chocolat. Et nous, la situation, c'est qu'on on peut disposer de 32 cuillères à soupe de pépites de chocolat. Donc, le nombre de pépites de chocolat, je vais le mettre là. Et ce que je peux remarquer, c'est que 4 fois 8... C'est égal à 32, donc ici j'ai multiplié le nombre de cuillères à soupe de pépites de chocolat par 8. Et pour garder le même ratio, il faut que je multiplie le nombre de cornets par 8 aussi. Voilà. Donc finalement, si j'ai 32 cuillères à soupe de pépites de chocolat, je peux faire 8 cornets de glace. Donc je peux faire 8 glaces, évidemment. Il faut que j'ai suffisamment de glace à la vanille et de crème chantilly, bien sûr. Voilà, donc avec ces 32 cuillères à soupe de pépites de chocolat, eh bien je peux faire 8 cornets de glace. Allez, encore un. On va faire celui-ci. Au parc, j'ai compté aujourd'hui 10 chiens noirs, 5 chiens bruns, 2 chiens blancs et 12 chiens de plusieurs couleurs. Alors là, on a un certain nombre de chiens et puis, euh, voilà, ils ont des couleurs différentes. On les a regroupés par couleurs. Il y a des chiens noirs, des chiens bruns, des chiens blancs et des chiens qui ont plusieurs couleurs. On peut dire qu'il y a un chien brun pour deux chiens. De quelle couleur C'est ce qu'il faut qu'on arrive à déterminer. Alors les chiens bruns ici, c'est cela. J'en ai cinq. Et pour ces cinq chiens bruns, eh bien, je sais que j'ai dix chiens noirs. Donc le rapport, le ratio entre les chiens bruns et les chiens noirs, c'est cinq sur dix. Alors ici, pour fixer les idées, hein, ça, les cinq, c'est des chiens bruns et 10 ici, c'est les chiens noirs. Donc, une manière de bien comprendre ce ratio-là, c'est que, en fait, j'ai toujours le double de chiens noirs par rapport aux chiens bruns. Effectivement, si j'ai 5 chiens bruns, eh bien, j'ai le double de chiens noirs, c'est-à-dire 10. Donc là, si je prends un seul chien brun, eh bien, je vais avoir le double de chiens noirs, c'est-à-dire 2. Donc, le ratio ici, c'est il y a un chien brun pour deux chiens noirs. Donc là, ce que j'ai écrit ici, c'est que le ratio des chiens bruns aux chiens noirs, eh c'est un ratio de 1 sur 2. Il y a un chien brun pour deux chiens noirs. Et ce que tu peux remarquer aussi ici, c'est qu'on avait 5 chiens bruns ici et on a divisé 5 par 5 pour obtenir un chien brun. Et de l'autre côté, on a fait exactement la même chose. On a divisé le nombre de chiens noirs qui était 10 par 5 aussi. Et 10 divisé par 5, ça fait bien 2.